Son dada, c'est la piste, la nature, les obstacles et tous les amoureux de ses dadas. Allez, tournez manège. Quand j'accélère, je galope. Mon cheval, c'est ma voiture. Je suis exploitant de manège. Un exploitant de manège, c'est vraiment trois activités bien différentes. La première, c'est s'occuper des chevaux. Deuxièmement, c'est s'occuper de l'activité du manège, donc organiser des leçons, des stages, des compétitions. Et aussi l'administration, un petit peu la comptabilité. Bon, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important aussi. En fait, depuis que je suis toute petite, nous avons des chevaux. Je rêvais déjà d'emmener mon cheval à l'école, mais je n'arrivais pas à imaginer comment le parquer. Et j'ai vraiment choisi de faire ma vie dans les chevaux et je me suis formée pour ça. J'ai d'abord fait des études commerciales pour pouvoir gérer un manège. J'ai été amenée à suivre une formation de courte durée parce que j'avais déjà une expérience acquise pour avoir un diplôme de moniteur qu'on peut obtenir différemment aussi par des cours normaux dans une période de 2 ou 3 ans. Mais je pense que la plus grande des qualités, c'est d'être polyvalent, d'être organisé, d'être très, très organisé. C'est important de ne pas perdre son temps, de ne pas perdre sa patience par manque d'organisation. Mais ça passe super bien si on aime ça, quoi, je veux dire. Ben, à cheval, c'est toujours un caractère différent, c'est toujours une aventure différente. Et moi, je travaille avec les mêmes chevaux depuis 10 ans. C'est très, très gai, quoi. On est complices, je veux dire, dans le boulot, ça va tout seul, quoi. Mon métier, c'est ma vie.